Alors, nous voyons l'université derrière, l'université Montréal, et je vais faire une petite visite de l'université. J'ai pris mon Tim Hortons. Tim Hortons, si vous ne savez pas, c'est un peu la version Starbucks, mais au Canada. C'est super bon. Voilà. Je sais pas quoi dire. Ben, nous allons faire la visite de l'université. Abonne-toi. Et moins 7 degrés aujourd'hui donc. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? Pavillon Jean Briand. Alors c'est un pavillon où personnellement j'ai eu beaucoup cours. Et je pense que les étudiants d'échange ils ont tout le temps cours là, non? Ouais ouais. Ben voilà, les étudiants d'échange ils ont cours dans ce pavillon. Et il y a une librairie juste là. D'ailleurs je dois aller acheter un indélébile pour que mes copines elles signent mon drapeau canadien. Ça existe même pas en Belgique ce truc. Je pense pas, j'ai jamais. Moi j'ai pas de casier cette année. Si vous avez vu mon autre vidéo où j'étais dans une autre école au Canada, j'avais mon propre casier avec mon petit miroir, mon manteau, mes bottes et tout. Mais là cette année j'en avais pas. Voici la librairie. Avec des sacs de l'université de Montréal. La neige elle fond beaucoup ici, elle reste pas longtemps je trouve. Peut-être que maintenant elle va rester. Parce qu'en février apparemment c'est le mois le plus froid. J'avais mon examen d'économie ici. Ah moi aussi. Ouais. J'ai eu un A. Voilà. Elle se la pète. Elle se la pète. Je me la pète parce que j'ai pas beaucoup étudié, on va dire, mais j'ai quand même eu un A. Elle se la pète. C'est le bâtiment principal et là j'avais cours. On l'appelle l'ocyphalus. Mais attends, il peut pas comprendre encore pourquoi il faut regarder. Ici, donc ça c'est le Roger Godet, le pavillon Jean Briand, on est tous, ça devait être quelque part ici, non? Voici le pavillon Roger Godet. On se perd tout le temps là parce qu'en fait, chaque porte a un numéro. Et en fait, quand sur notre plan de cours, il y a marqué le nom du local, c'est ça? Et il y a une lettre, donc tu peux avoir la A, B, machin. Et en fonction de cette lettre, tu dois savoir par quelle porte tu dois rentrer. Et tu dois rentrer par la bonne porte, sinon tu te perds dans le bâtiment. Pour zoomer. Là on peut voir vraiment qu'il fait froid en fait. Bon, allez, on avance. Ah, ben on ne sait pas ouvrir.
Parce que je sais pas. Vous pensez que c'est quoi? Pourquoi la neige est rose? Ça veut dire quoi? Non, non. Ça allait faire une blague. Ouais. C'est du sel. C'est quoi des gros morceaux de sel ça? Ouais, sel rose. Ah, c'est le sel! Pour que tu te casses pas la gueule. Ma coloc, elle a des chaussures brunes et avec le sel, elles sont devenues blanches. Ça les a décolorées. Pas parce qu'il y avait ce week-end il y avait tempête de neige. Enfin c'est pas tempête de neige, c'est. Ouais. Ah non, c'est un plan pour les toilettes. Bah comme quoi c'est très compliqué de trouver des toilettes en fait. Du coup, ici on est l'Université Station. En fait, donc ça c'est la carte du métro. Voilà. Et l'Université Montréal, ça s'étale sur plusieurs stations. Et ici c'est le downtown ici. C'est le centre-ville. J'ai mes doigts de pied qui gèlent vraiment. Genre mes gros orteils là, je les sens plus. Faut pas faire comme moi. Juste, je fais ça parce que. Bah parce que j'ai cassé mes bottes. Derrière là-bas il y a le stade. Non mais ça va. Je te dis j'ai deux orteils qui gèlent mais ça va. Donc là-bas il y a juste le stade derrière mais honnêtement on a un peu froid, on fait une visite de l'université, on verra si on est encore en vie pour aller faire la visite du stade, mais il y a un stade là-bas derrière. Voilà. Donc ici c'est la salle de sport, etc. Ça s'appelle le Satsum. Dedans il y a des cours de Zumba, des cours de d'autres choses. Il y a aussi un tennis de table, il y a du squash, il y a une piscine, il y a aussi du volley, non, du basket. Il y a aussi comment ça s'appelle encore là, du patin. Il y a aussi un truc pour faire du patin à glace. Voilà. Salsoum. Salle de sport, là où je n'ai jamais été. c'est triste. J'avais dit que je devais me remettre au sport. Puis bon, ça peut être une nouvelle résolution 2020, mais c'est ce que tout le monde dit et ce que personne fait, clairement. Là, il y a des salles de squash, j'avais été une fois. Donc je fais quand même du sport, hein. Yep. Là c'est les tennis de table. Puis je peux pas trop montrer les autres endroits, genre la piscine et tout. Je pense qu'il faut d'abord se changer pour pouvoir rentrer, mais bref, il y a plein de trucs. Ici c'est le pavillon Marie-Victorin. En fait, je vous ai montré que les bâtiments où j'avais cours. J'ai pas montré tous les bâtiments, mais il y en a beaucoup. L'université, elle est énorme. Je pense que j'ai fini la visite parce que là on a super froid. Le soleil il va bientôt se coucher parce que le soleil à Montréal il se couche super tôt. Il commence à 4h, il fait noir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, mais mettez un pouce en l'air. Et bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou même à vous abonner. Et voilà, je pense que j'ai tout dit et j'espère que ça vous a plu. À la prochaine vidéo. Il est marqué REC. Avec le nombre de minutes où ça filme. S'il n'est pas marqué REC, c'est que ça filme pas, ok. Pour l'éteindre. C'est vrai. Il est marqué REC. Ah, le bar, on fait le bar d'abord. Ouais, ouais. Voilà, bah, à l'université, on doit se cantonner tout cette. Comment ça se dit, cantonner? Donc, je sais pas quoi dire avec ça. Il y a rien à dire. Merci Canada. Merci Montréal, que tu écrases. Merci Montréal et j'écrase la neige. Merci Montréal.